Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, nouvel endroit à Limoges que je ne connaissais pas. Je passe tous les jours devant, mais je ne connaissais pas cet endroit qui est tout simplement nickel pour faire des vidéos, mis à part qu'il y a l'autoroute. Mais je pense que vous l'entendrez pas trop, normalement avec le micro, si tout va bien. Aujourd'hui, on est encore sur le calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Beaucoup de vidéos, mais bon, on est chaud. C'est pour vous, pour vous faire plaisir, pour vous remercier d'être aussi nombreux à me regarder et pour vous faire un petit cadeau de Noël, bien entendu. Et aujourd'hui, je prends un petit peu plus de temps, entre guillemets, pour vous présenter cette voiture parce que c'est, je pense, la voiture que j'achèterais, en ayant des moyens, on va dire, normaux. C'est vraiment la voiture que j'achèterais. Donc, c'est une Skoda Superb Combi, je crois qu'on dit, break, pour dire normalement, on va dire. Fait un petit peu frisquette, mais il fait beau. C'est une voiture qui est tout simplement superbe. Elle porte bien son nom. Je vous avoue, je n'ai même pas fait exprès. Là, c'est le petit moteur, entre guillemets. C'est le 2 litres TDI 150 chevaux. Sportline, finition Sportline. Donc, vous avez des jantes magnifiques. On verra ça tout à l'heure sur le profil. Mais voilà, je trouve que c'est... Alors, Skoda a complètement changé. Je trouve que maintenant, ça a vraiment de la gueule. Alors, c'est un tout petit peu en dessous de ce que font, de ce que fait chez Volkswagen. On le verra dans l'essai. Vraiment très léger. Mais pour le prix, ça la vaut... un peu plus de 40 000 euros avec les options qu'elle a. Elle est en vente, celle-ci. Vous regarderez, car il y a une annonce dans la description normalement. Sinon, vous allez sur le site de chez Perico à Limoges. Elle est à vendre un petit peu moins de 33 000 euros. 7 000 euros d'économie, vous faites. Elle a 8 000 ou 9 000 km. Enfin, c'est rien du tout. Elle est neuve. Franchement, c'est une superbe voiture, comme son nom l'indique. On va aller faire un petit tour de profil. Alors de profil, elle est toujours aussi superbe, ça tombe bien, c'est toujours la même voiture. Celle-là a été préparée et je l'ai écrite, c'est une super blague, je vous l'avoue. Mais voilà, comme c'est une Sportline, on a des magnifiques jantes. Alors celles-là, elles sont super belles. C'est ce qui m'a donné envie de l'essayer, cette voiture. Notamment parce que si j'avais les moyens, j'achèterais ça. C'est vraiment, je trouve, on est sur un prix qui est prix prestation, qui est, c'est très intelligent comme mot ça, qui est, je trouve, juste nickel quoi. C'est vraiment, à la limite, je préfère ça à une Passat. Vous vous rendez compte? Je préfère une Skoda qu'une Volkswagen. Si j'avais le choix, je préférerais acheter ça qu'une Passat parce que je trouve ça vraiment, c'est sportif. C'est immense à l'intérieur. De toute façon, vous le voyez au niveau de la longueur. On a des belles barres de toit noires. La couleur en plus est top. On a vraiment cet aspect sportif, les coques de rétroviseur noires. Les jantes, j'ai même pas regardé en combien elles étaient. Je pense que c'est du 19. C'est du 19. On va aller faire un petit tour derrière maintenant. Bon, à l'arrière, on a l'arrière d'une Skoda, on les connaît, on les reconnaît très facilement au niveau des phares. Toujours ce petit côté sport, on a un petit spoiler sympathique qui ressort un tout petit peu. Pas d'aillon électrique, malheureusement, mais un coffre hyper grand avec des prises 12 volts, des crochets. Enfin, on a un coffre, je ne sais pas combien il fait de litrage, mais je vous le marquerai parce que j'ai fait cette vidéo rapidement. Enfin, voilà, le coffre est immense, il n'y a pas d'autre mot. Alors, qui dit Skoda et qui dit Skoda superbe, dit habitabilité énorme. On remarque d'abord les très très beaux sièges. J'espère que vous me voyez. Je suis un peu tapis dans l'ombre, tel un fantôme dans un film d'horreur. Mais voilà, regardez la place que j'ai. Enfin, pour voyager, c'est top quoi. On pourrait presque s'allonger. Non, c'est vraiment bien. On a vraiment, vraiment de l'espace. Bon, un petit tunnel de transmission. La place du milieu est raide. Non. Elle n'est pas confortable, elle est raide, voilà, comme toutes les places du milieu. J'ai voulu essayer de bien vendre le truc, mais non, ça ne fonctionne pas. Au milieu, porte-gobelet, trappe à ski, les sièges en cuir et Alcantara, de très bonne facture. La climatisation tri-zone avec un allume-cigare et un cendrier qui ne sert plus de cendrier maintenant. J'allais dire malheureusement, alors que je ne fume même pas, mais qui ne sert plus de cendrier. Mais on a énormément de place. On va aller faire maintenant un petit tour devant parce que c'est plutôt sympathique aussi. Alors une fois au volant de cette superbe Skoda, petit jeu de mots, nul je sais, mais c'est tellement facile que je le refais. Comme je vous l'ai dit, c'est le 2 litres TDI de 150 chevaux, donc c'est pas le plus gros, mais en 150 chevaux ça fait honnêtement très bien l'affaire. On a des palettes au volant, un volant sport avec des surpiqûres blanches. Et voilà, qui est en cuir avec un revêtement spécial et un méplat et un trou. Donc, on est heureux quand on a ça.
Siège électrique, j'ai pas regardé si les sièges étaient. Non, voilà, les sièges électriques passagers ne le sont point. Les sièges électriques passagers. Les sièges passagers ne sont pas électriques, malheureusement pour eux. Mais là, dans ce cas-là, je m'en fiche parce que moi, ils le sont. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le petit contour des compteurs qui est gris. Bon, on n'a pas de contour, on n'a pas de compteur full numérique. Hein. Mais honnêtement, bon, c'est pas, hein, ça fait pas tout le compteur numérique. Donc c'est pas très très grave. Après, boîte DSG, là par contre on est comme ses cousines, donc boîte automatique plutôt sympathique, hein, on peut le reconnaître. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les sièges sont vraiment de toute beauté, sont vraiment très très beaux, espèce de siège baquet qui ne le sont pas. Franchement, bravo, hein, c'est de très très beaux sièges. Les contreportes là sont en tapisserie, c'est vraiment vraiment propre. Du plastique moussé, bien entendu. Petite finition carbone, imitation carbone, hein, bien entendu. Les boutons, ça on connaît. Je me répète souvent, mais bon, voilà. Hein. Le toit noir, ça c'est plutôt sympa. On reconnaît le petit Sportline qui est à droite. On a une grande boîte à gants avec un bouton. Regardez ça, oh. Plutôt sympathique. Auxiliaire, 12 volts. Comme à l'arrière, on a un petit 12 volts. On a un sacré rangement, climatisé en plus. La petite buse. Je vous dis qu'on avait les palettes au volant. Le petit écran GPS. Alors, bah, il est moins bien évidemment que sur les nouvelles Volkswagen, hein, bien entendu. Mais en tout cas, il est peut-être moins bien, mais il est tout aussi fluide. La sono est tout est pareil, nickel chrome. Il n'y a rien à dire sur la sono. C'est quand même un beau break. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz dans le lien, dans le petit sondage qui est en haut. Moi, je trouve ça quand même plutôt joli. C'est quand même classe. Une belle Skoda superbe. Ça porte bien son nom. Petite accélération. Ça fait près d'une tonne 5, je crois. Bon, ça envoie bien suffisamment. Il n'y a pas de problème. Pas fou vous faire de 0 à 100, c'est pas une voiture sportive. On va voir ce que ça donne quand on prend le Dodan. Ce petit Dodan, il est chiant, mais il, voilà, il me sert bien pour... ça va, parce qu'on est quand même sur du 19 pouces. Alors là, je suis pas en mode sport. On a bien entendu les modes sport normal, éco, individuel. La caméra de recul. Et en mode sport. En tout cas, c'est hyper confortable. Moi, je vous dis, c'est une voiture... Voilà, si j'avais les moyens d'acheter une voiture voilà, sans dépenser énormément, une voiture neuve. Alors, c'est une belle voiture neuve. Hein, ça vaut pas... C'est pas une Passat lambda, on va dire. Donc... si j'avais les moyens, honnêtement, si je devais acheter un break familial, j'achèterais ça. Ça, c'est vraiment, c'est sportif, c'est un chouïa plus à l'intérieur. Original, c'est un grand mot, qu'une Passat, j'allais dire. C'est quasiment, c'est kiff-kiff bourrico, c'est kiff-kiff pareil, quoi. Sauf qu'on n'a pas l'horloge, et j'aime pas l'horloge, donc ça tombe bien sur la Passat. Mais voilà, c'est ce que j'achèterais. Ce n'est que mon avis, mais c'est ce que j'achèterais. Avec cette motorisation, alors faudrait essayer le 190, je crois. Mais bon, on a largement ce qu'il faut sur nos routes françaises. C'est amplement suffisant. Et en plus, c'est un TDI. Donc, quand c'est un TDI, on est heureux. Je suis heureux. Ah, j'aime beaucoup, ça se conduit très bien. Ça a de la gueule, quoi, à l'extérieur. Les Skoda, avant, on va pas se mentir, hein, on va pas se cacher. Ah, c'était quand même bof, avant. Vous savez, par exemple, la Superbe d'avant. Alors, en combi, elle était pas mal. J'aime franchement bien. En plus, c'est hyper grand. Enfin, c'est vraiment bien quand tu as des enfants. Mais alors, quand tu l'avais en version... C'est un peu comme celle-là, hein. Moins quand même. Mais quand tu l'avais en version mâle, alors en plus sur les Skoda Superb d'avant, tu avais une version mâle et haillon que tu pouvais choisir quand tu ouvrais le coffre à l'arrière. Soit tu ouvrais en mâle, je vais y arriver, soit tu ouvrais en haillon. Et ça, c'était un truc plutôt sympa. Alors, je sais pas si c'est comme ça sur les mêmes versions que celle-là, mais en berline. Vous me le direz dans les commentaires, vous serez mignon. Mais voilà, l'ancienne Skoda en berline était vraiment l'arrière pas très très beau du tout. Je dirais même plutôt moche. Hein. Je veux pas être méchant, mais je la trouve quand même plutôt moche. La combi est bien, est beaucoup plus beaucoup mieux proportionnée. Je trouve que l'ancienne berline était vraiment vraiment spéciale. Hein. Fallait aimer quoi. Mais bon, on s'en moque. L'ancienne est passée. Place à la nouvelle. Qui, pareil, je préfère une Skoda Superbe, même si elles sont quand même mieux maintenant, en break. Je trouve que ça lui va tellement bien, le break. Je trouve que c'est... Voilà, elle a une coupe, des proportions qui sont tout simplement magnifiques.
toutes les options nécessaires. Je crois qu'on a l'ACC et le Line Assist sur ce modèle. Donc c'est pas mal. Moi je vous le dis, ça marche suffisamment. Le TDI 150, je me méfie quand même. Hein, parce que 150 chevaux, c'est beaucoup. Hein. Je serais pas étonné que ça en fasse un petit peu plus quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour les gens qui ont un... Mais je trouve que ça a vraiment une reprise. Je suis chiant avec mon TDI. Hein. Je dois vous bassiner avec ça. Mais je m'en fous, je dis ce que je veux. Mais c'est vrai que... Voilà. TDI, boîte DSG. Finesse, couple. C'est agréable. Surtout là-dessus. Là, on est collé au sol. Et vraiment, j'adore vraiment cette voiture. Elle a un côté dynamique et sportif que n'a pas la Passat, je trouve. Puis alors les sièges, franchement, chapeau. Hein. Bon, j'ai pas pu mettre ma caméra, malheureusement. Donc, vous avez celle-là, elle vibrera peut-être un petit peu. Mais alors les sièges, chapeau, il n'y a vraiment rien à dire. C'est au top, quoi. Siège baquet en cuir Alcantara. Enfin, baquet, non, mais bon, ça y ressemble vraiment beaucoup. C'est... Même les contreportes, le plastique est moussé, quoi. Putain, c'est fou, ça. Bon, on n'est pas sur de l'Octavia, on est sur Superbe. C'est quand même plus haut de gamme. Hein. Pas se mentir. Ça, c'est de la belle voiture. Franchement, je suis chiant, hein, mais bon. On peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Hein. Les goûts et les couleurs. Bon, bah, je crois que voilà, on a tout dit, on a fait un petit tour. C'était vraiment sympathique. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'aider à monter dans le YouTube game. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller dans la description pour me filer un petit coup de main. Vous serez bien mignons, c'est gratuit. Et ça m'aide beaucoup. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Et c'est super parce que plus on est de fous, plus on rit. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 18h sur les pilotes du dimanche pour le calendrier de l'Avent. À demain, ciao! Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bushel.